dans l'union des sexes, chacun concourt également à l'objet commun, mais non pas de la même manière. Cette diversité est la première différence assignable entre les rapports moraux de l'un et de l'autre. L'un doit être actif et fort, l'autre passif et faible. Il faut nécessairement que l'un veuille et puisse, il suffit que l'autre résiste peu. Il s'ensuit que la femme est faite spécialement pour plaire à l'homme. Si l'homme doit lui plaire à son tour, c'est une nécessité moins directe. Son mérite est dans sa puissance. Il plaît par cela seul qu'il est fort. Ce n'est pas ici la loi de l'amour, j'en conviens, mais c'est celle de la nature antérieure à l'amour même. Est faite pour plaire et pour être subjugée, elle doit se rendre agréable à l'homme au lieu de le provoquer. Sa violence à elle est dans ses charmes. C'est par eux qu'elle doit le contraindre à trouver sa force et à en user.